c'est un impératif parce que c'est seulement en solidarité avec l'Europe qu'on peut résister contre un grand empire, ce qu'on reste de l'empire précédent, de l'Union soviétique. En fait, cette guerre, c'est une guerre des civilisations et des valeurs. C'est une guerre entre le monde du droit international, du respect des droits de l'homme, et le monde autoritaire qui ne respecte pas l'individu.